meilleurs souvenirs que j'en garde. Il y a plusieurs souvenirs. Déjà, mon premier match contre la Suisse, en titre personnel, hein, mon premier match contre la Suisse, parce que disputer une Coupe du Monde pour chaque jour, je pense que c'est un rêve. Mais quand tu as l'occasion d'y jouer, tu réalises que ton rêve il devient réel et qu'il faut profiter de ces moments-là parce que c'est des moments qui restent gravés à vie. Et c'est pas tout le monde qui a la chance de jouer une Coupe du Monde, surtout avec sa nation. Donc, non, ça reste un de mes meilleurs souvenirs, peut-être Coupe du Monde. Et la cohésion de groupe aussi qu'on avait, parce qu'on a vraiment un bon groupe. Je pense que si je perds pas le premier match, après la qualification, tu peux l'avoir. Mais c'est le premier match qui te met dans le bas, qui te met dans le bas de la compétition. Et quand tu commences par une défaite, après c'est difficile, surtout à ce niveau-là. Mais il n'y a pas manqué grand-chose. Après, je pense aussi que c'est l'expérience. Le fait que les grosses nations ont l'habitude de jouer ces compétitions-là. Et je pense que le Cameroun, ça reste une grosse nation, mais il y a quand même une marche assez pas importante, mais elle est là quand même entre les grosses équipes européennes, même sud-américaines et nos équipes africaines. Mais je pense que c'est ce premier match-là, si on ne le perd pas, après tu as plus de chances de te qualifier. Moi je vais la gagner, il n'y a pas de sentiment personnel ou quoi. Moi je vais l'avoir pour la gagner en plus en Côte d'Ivoire. J'ai quelques potes qui jouent en Côte d'Ivoire, donc voilà. En vrai de vrai, on doit aller pour la gagner, sinon ça sert à rien de jouer une compétition et juste pour faire figuration. On est le Cameroun, on doit importer ce maillot avec fierté et avec honneur et donner le meilleur de nous-mêmes sur le terrain. Donc ça passe par gagner les matchs et aller jusqu'au bout de la compétition. Il n'y a pas de A plus B, on doit aller la gagner. C'est le seul objectif que j'ai dans ma tête. Bah, à titre personnel, déjà, c'est de retrouver les sensations de réintégrer le groupe, parce que je me suis fait un petit bobo d'aller voir le championnat, mais c'est ça, c'est retrouver les sensations petit à petit. Et ensuite, une fois que j'ai réintégré le groupe, bah, retrouver aussi les sensations avec le groupe, parce que quand t'es tout seul, quand t'es avec le groupe, c'est différent. Et puis, t'as un petit monter en puissance et mettre mes qualités au service de l'équipe et pouvoir les aider le maximum. Quand tu regardes le groupe, tu prends joueur par joueur de qualité, c'est vraiment un très bon groupe et très bon joueur. Et justement, c'est ces individualités-là qu'on doit tous mettre au service du collectif pour pouvoir faire une très grosse équipe. Et on a tout ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout. C'est pour ça que c'est vrai que quand j'entends en dehors que ouais, les favoris ne mettent pas le Cameroun, c'est même bien comme ça, parce que c'est comme ça qu'on est dangereux. Donc, franchement, on a tout ce qu'il faut pour faire mal dans cette canne. Et ceux qui pensent que le Cameroun n'ira pas loin, faut faire gaffe. Faut vraiment faire gaffe. En vrai, il n'y a pas d'adversaire spécifique à craindre. Je pense que dès le premier match, on doit prendre notre adversaire au sérieux. Et chaque équipe, je veux dire, maintenant, il y a plus de petite équipe. Chaque équipe a des armes pour pouvoir... pouvoir lutter dans cette canne, donc c'est à nous de prendre match par match et gagner, surtout le premier match, pour pouvoir nous mettre dans le bain et rester sur une bonne dynamique. Moi je pense que la cohésion groupe elle est très importante. Quand tu as un bon groupe qui vit bien ensemble, où tout le monde s'entend, et que tu joues avec tes potes, tes frères, je pense que c'est différent. La mentalité est différente sur le terrain. Et je pense que c'est avec ça que tu crées des affinités plus importantes. Et justement, sur le terrain, tu n'en étais pas pour ton frère et pas pour ton coéquipier. Et donc, je pense que ça part de là. Et ensuite, avec un bon groupe, tu peux aller très loin, très 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 loin. Quand tu fais confiance à ton frère, tu sais que derrière il y en a qui peuvent, je parle à moi à titre personnel, parce que je suis un attaquant, et quand tu as tes frères derrière qui sont là, qui se battent, toi aussi ça donne envie de mouiller le maillot, tu vois. Donc je pense que ça part de là, et ensuite les qualités évidemment individuelles, quand tu mets tout ça dans un collectif, dans une bonne équipe, ça, après ça va tout seul.
de nous supporter, de nous soutenir, que ce soit partout dans le monde, surtout au Cameroun. Et je pense que là, ils seront là, ils seront en Côte d'Ivoire. C'est de nous supporter quoi qu'il arrive, peu importe les physionomies du match, qu'on perd 1-0 ou peu importe. Un match n'est jamais fini, c'est ce que l'arbitre aussi, donc c'est de nous supporter, nous aider à aller de l'avant et ramener cette canne à la maison. Voilà. Restez connectés les amis et retrouvons-nous dans le prochain numéro. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines publications d'informations sportives et aussi pour nous permettre de faire grandir le canal et d'avoir un très bon référencement. À bientôt les amis.